Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, c'est Latifa Douchiwet Oumlina. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va préparer ensemble la recette du lait concentré sucré économique et avec trois ingrédients, ce lait concentré qu'on aura besoin pour les glaces cet été. Donc, je ne vais pas tarder à passer à la recette, mais avant, je vous rappelle de liker, de me laisser vos commentaires et de vous abonner si c'est la première fois que vous visitez ma chaîne. N'oubliez pas d'activer la cloche pour recevoir les notifications. Donc là, comme je vous ai dit, on aura besoin de trois ingrédients. Donc là, on aura besoin de 120 g de sucre ou bien un verre, 60 g du lait en poudre et 100 ml d'eau bien chaude, pas tiède, mais vraiment bien chaude. Donc ces trois ingrédients, on va les mettre dans un bol et on va mixer. L'eau, comme je vous ai dit, elle est vraiment chaude, pas bouillante et pas tiède, donc chaude. Voilà, moi je vais utiliser ce mixeur. Vous pouvez mixer dans un robot, un bol, quand vous voulez. C'est juste pour éviter les grumeaux du lait en poudre. Donc c'est vraiment économique et super bon et fait maison. Donc voilà, quand on termine de mixer, on va mettre le mélange dans une casserole sur un feu moyen au début. Donc là, on va, après 2-3 minutes, on va baisser le feu. Et on va pas cesser de mélanger, donc il faut vraiment rester à côté. Là, ça nous demande 10 à 15 minutes, donc il faut vraiment bien, faut bien mélanger. Comme je vous ai dit, il faut rester à côté de la casserole. Donc là, elle est presque prête. Vous voyez, le liquide il est un petit peu épais, donc j'arrête le feu et je prépare une boîte où je peux conserver mon lait au frais. Donc là, je vais le laisser refroidir à température ambiante dans la cuisine. Donc vous le laissez. Et après, vous le mettez au frigo et vous pouvez garder ce lait jusqu'à 30 jours. Donc voilà, je vais vous montrer de près. Donc vraiment économique, comme je vous ai dit, et fait maison en plus. Donc voilà, avant de le mettre moi au frigo, comme vous voyez, il est vraiment épais, la même consistance qu'on achète, mais c'est fait maison, comme je vous ai dit. Donc si vous voyez des grumeaux et vous voulez l'utiliser pour les gâteaux, donc n'hésitez pas à le repasser au mixeur, mais moi, puisque je vais l'utiliser dans une glace, je vais le laisser comme ça, donc ça gêne pas. Voilà, notre lait concentré est prêt et vous pouvez l'utiliser quand vous voulez. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, que vous allez pouvoir la réaliser et n'oubliez pas de me laisser vos commentaires. Je vous dis à bientôt et prenez soin de vous. Au revoir.